Salut tout le monde, c'est System59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour Rise, deuxième partie. Et oui, donc comme vous pouvez voir, j'ai eu l'occasion de terminer le jeu. Et franchement, c'est une merveille ce jeu. Il est énorme, l'histoire est bien, graphiquement magnifique. Il y a de l'action, les cinématiques sont superbes, il n'y a rien à dire non plus là-dessus. Donc pour moi, franchement, ce jeu est une merveille. Donc nous allons reprendre sur le deuxième chapitre. Donc c'est parti. On va se mettre en soldat. Et c'est parti. Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin, mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur, le mien d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Elles sont superbes, leurs cinématiques. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. Et là, on va savoir le pourquoi du comment. Regardez-moi la texture des pierres, tout ça, c'est un travail de fou. Père. Marius. C'est Papa. Bon de te revoir. Alors, de quoi ai-je l'air? Regarde-moi, un vrai soldat romain. Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. N'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je veux me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas, tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père? Marius! Oh. Laisse-moi te regarder. Oh. Regardez, c'est beau, hein, franchement, rien à dire. Je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as, Paul. Donc là, on va passer sur une sorte de didacticiel. C'est un peu galère. Tiens-toi prêt. J'avoue. D'abord, brise ma garde. On recommence. Rappelle-toi, Marius. Brise ma garde pour pouvoir me frapper. Hey. Encore une fois. Non, ça ne va pas du tout. Hey. Allez, brise ma garde. Tu sais comment faire. C'est bien. Bravo, mon fils. Recommence, mais ce coup-ci, frappe-moi 3 fois. Encore une fois. Je t'ai bloqué. Recommence. T'as bloqué du tout. C'est excellent. Tiens-toi prêt. Ah oui, faut dévier. Tu n'as qu'un court instant pour placer ton coup. Concentre-toi. Attends le bon moment. Réessaie. Choisis le bon moment. Réessaie. Là, c'est plus délicat. Pas comme ça. Réfléchis avant de frapper. Vas-y. Allez, ça n'a pas duré des heures. Brise ma garde. Eh ben.
dans un sale coin, là. Ça va pas, ça. Allez! Faut que j'attends un peu. Allez! Ah, ça me fait rager cette partie tuto à chaque fois. Recommence! Tiens-toi prêt! Allez! Il est bon le petit vieux quand même hein. Au combat. Ouais, ça me fatigue cette partie là tout le temps. Allez! C'est le pire moment pour moi dans le jeu, c'est ça? Tiens-toi prêt! C'est assez galère. Et allez, on va bien passer. Pourtant, il est vénère là-haut. Et... Allez, touche-le! Répond très bien, sérieux sur eux. Allez! Parfait. Ah bah voilà. Wouh. Allez, enchaîne tes coups. Une attaque combinée. Laisse aller, Marie. Attends le bon moment et frappe. Encore, enchaîne tes coups. Place. Allez. Très bien. Allez. Bon, en fait, vous auriez vu le tuto, hein, le petit tacticiel. Bon, il attend quoi, lui? Voilà, point de contrôle. Et on suis à la fois triste et fier. Donc, franchement, si vous avez jamais fait le jeu, vous avez aujourd'hui le fils a battu le père. Vous, je ça. Tu sais manier l'épée, c'est vrai. On est dans le jeu. Mais ne l'abandonne pas à la face du monde. Commence toujours. Par te présenter paume ouverte.
Viens, marchons. Le bruit court que la situation à Rome est des plus instables. Oui, nous vivons une période de troubles. Ces élections pourraient tout changer. Regardez-moi le reflet du soleil dans l'armure. Mais sur le bouclier à l'arrière, hein. Franchement, c'est... Pff. Il est vraiment très très joli ce jeu. Deux petits points négatifs, en fait, pour moi, c'est le temps de chargement. Je te remets à mon tour ce que ton grand-père m'avait autrefois remis. Ah, la dague. Quand l'heure sera venue pour toi de commander des hommes, rappelle-toi ce que j'ai dit. Des petits bugs de... La légende raconte que Damoclès était un grand guerrier. De contact. Lors de certains combats, on passe à travers le bonhomme. Mais pas tout le temps. Mais ça arrive un petit peu. Et là, cette animation... Un chef vénéré par son armée. Lors d'une bataille, ses commandants l'abandonnèrent à son sort. Sanglant. Quand Damoclès arriva aux enfers, Némésis, déesse de la vengeance, fut prise d'une rage folle en apprenant le triste sort qu'on avait réservé à ce héros. Elle permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion fantôme en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir poursuivi et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Peut-être. Peut-être. Elle est partie à la tête. Aujourd'hui encore, de nombreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes, s'ils ne veulent pas que le centurion à l'armure noire vienne un jour venger les victimes de leur égoïsme. Oh, les barbares ! Les barbares ! Suis-moi ! Donc là on va taper, hein. Là on rentre vraiment dans le mode jeu combat. C'est parti. Bouclier. Là on va faire mal direct. Oui, on s'en fout. Je ne sais que comment manger. Allez, t'attends. Ah, je vais vous faire mal. Allez. Bye bye. Je suis un peu froid pour le combo alors. Non. 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 Je vous tuerai. Tous. Jusqu'au dernier. Donc là, la première vidéo présentation, on va s'arrêter là. Ça y est. Allez. Donc là, c'est parti. Tuez-le. Ils sont tous arrivés là. Là, on va juste pas faire méchant. Ah ouais, hein. On va leur faire perdre des mains. Hein. Oh, alors. Vous verrez plus tard, tous autant que vous êtes. Vermine romaine,
Ah, le papa est en pétard. Écoute, ils veulent notre peau, Marie. Ils attaquent Rome sévère. Il faut aller au Sénat pour sauver les miens. Oh, lui. Alors, il faut faire gaffe, ils sont super résistants, protection à mort. Et moi. Allez, okay, Marie. Je vais faire oui, je sais, Y. Ta faim est proche. Ça se passe bien, ça se déroule super bien l'histoire du jeu. On prend petit à petit, on rentre vite un petit peu dans le personnage. Et ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est qu'on est dans une époque qui est très peu exploitée dans le milieu du jeu vidéo. Et ça, ça donne un petit souffle. Par là, c'est la voie de ton destin. C'est la voie de ton destin. Cours. Ah ouais, faut tailler, hein, bonhomme, faut tailler. Alors là, si vous voulez, vous pouvez casser les carafes. Ça rajoute un petit point. Perso, je vais les casser. Rajouter des petits trucs. Alors là, moi, c'est parce que je l'ai fait, mais là, vous avez un bouclier à ramasser. Celle-là, on peut la casser aussi, tiens. Allez, on trace. Tiens, je l'avais oublié celle-là. Ouais, parce que faut fouiller, il y a plein d'objets à trouver. Père ! Marius, par ici ! J'aime bien ce dessin là-haut. Ah, nous sommes dans la ville. Hein. Et là, ça va faire un petit sévère. Oh, j'ai te faire mal. Ouais, c'est bon. Et une fois qu'on maîtrise franchement le mode combat, qu'on a compris, on prend vraiment beaucoup de plaisir sur les combats. Il y a énormément de finish, c'est ça qui est puissant. Je dois protéger mon peuple, Marius. Va chercher Blasius. À l'amphithéâtre. Amène-le au forum.
Nous protégerons votre père. Allez-y. Trouvez Platius. Tam tam pam 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 pam. Je retrouve sur les tuyaux. Allez, petite planche, on passe. Allez, on taille. L'amphithéâtre. On va faire un tour là-haut, voir s'il n'y a rien. Parce que je vous dis, il y a plein d'objets à trouver. Sur ce jeu. Rome a été bâti pour le pain. Cette ville lui appartient. Et là, c'est parti. Ah, c'est vraiment trash, hein. Il y a des scènes où c'est vraiment violent. Baissez-vous, baissez-vous. Qu'est-ce que tu attends? Le public s'impatiente. Regardez-moi, là, donc là on est dans l'arène, il y a des civils. Allez, kill.
Marius, par ici. Père! Ils arrivent, Marius. Ils arrivent, Marius. Ils sont après nous. Il y a peut-être un truc où il faut tous les casser, j'en sais rien. Alors on doit descendre. Oui, rapidement. Ah ouais, c'est trash, là, je suis chaud patate. Allez. Plus personne, là. Allez, on trace. Fou, fou. Nous sommes coincés, Marius. Fais demi-tour et abaisse le pont. Fais demi-tour, abaisse le pont. C'est où déjà? Ah, c'est pas par là. C'est là. Il y a des draps bleus qui vous guident un petit peu hein, sur votre chemin. Regardez-moi ces effets de lumière. Abaisse le pont, Marius! Aide-moi à passer! Ouais, bah, allez, oh, deux secondes. C'est bien! Continue! Va au forum, Marius! Ne t'arrête sous aucun prétexte! Allez, direct sur le forum! Là c'est pareil, ça va être sanglant. Alors, une grosse troupe. Ah ouais, je suis en mode Spartacus là. Alors. Bye bye. Bye bye. Ouais, j'arrive. Pourquoi j'arrive. Donc, père. Oui, pour améliorer donc. J'ai pas envie d'améliorer, bien que. Non, pas encore envie maintenant. Allez, c'est reparti. Donc là, il y a un bouclier également.
qui prennent contrôle. Et voilà, nous allons arrêter là pour la deuxième partie sur Rice. J'espère que ce petit gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des messages, à partager la vidéo, à liker, ça fait toujours plaisir. Je préfère faire des petites vidéos comme ça et continuer sur le gameplay parce que en fait ça dépend du temps que j'ai. Et quand avec le boulot tout ça, j'ai pas forcément le temps de faire des grosses vidéos. Voilà, je vais faire le gameplay à la suite comme ça pour le jeu Rise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah je vous souhaite à tous un bon week-end et puis bah à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.